Là, ça prenait, pour moi, ça, il y avait cette explosion, elle prenait tout son sens. C'est un moment qui est tellement sublime dans cette pièce-là qu'il faut vraiment l'amener de façon presque extatique. À ce moment-là. Sans que ce soit un énorme crescendo, tu peux, t'as une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois, vraiment, tu dois insister avec une sorte de presque de colère. On est au pôle d'enseignement supérieur musique et danse de Bordeaux. En fait, c'est un centre d'enseignement supérieur, après le bac, et qui forme en fait des futurs professionnels de la danse et de la musique. Donc pour la musique, on leur propose le DNSPM, c'est le Diplôme National Supérieur de Professionnel de Musicien, et le DE Musique, pour les former à devenir professeurs de musique. Et en danse, on propose un diplôme d'État, pareil, pour être professeur de danse. En dehors du coup des cours du cursus classique et des événements qui sont proposés pour les mettre en situation professionnelle, on va leur proposer beaucoup de masterclass tout au long de l'année, avec de grands intervenants, souvent la carrière internationale. Là aujourd'hui, du coup, on reçoit Cédric Thiberguin au piano. Quasiment le moment le plus puissant de toute l'exposition, même par rapport à... Il ne se passe rien, et il y aura ça à la fin, la carmure mi fortando, mais vraiment... Donc on a reçu la très très grande artiste Caroline Carlson, qui du coup a enseigné aux étudiants de danse. Donc c'était un grand moment de partage et de complicité. Donc ils ont vraiment apprécié. On a aussi reçu Fabien Lopez et Lucas Vielfond, qui est un grand danseur également. Voilà. Alors si tu veux que ce soit un petit peu, c'était déjà beaucoup mieux. Si tu veux que ce soit un petit peu tenuté, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de petit point d'orgue sur la note, c'est tout petit, hein, c'est pas grand-chose, ça peut pas être uniquement ça. Et ensuite à la fin de l'année, concernant la danse et la musique, nous, comme en fait c'est un établissement d'enseignement supérieur, ils sont donc jugés et ils passent aussi des examens. Et pour la musique, nous proposons du coup des récitals sur 15 jours à l'atelier du Conservatoire de Bordeaux, où ils sont vraiment en situation professionnelle et jugés en même temps que leurs prestations et visibles par le grand public. Et papa, face à la si, la si, non, ré, do, si, la sa famille. Il n'a pas mis de liaison depuis d'ailleurs.